En ce qui concerne l'avenir de l'équipe, on a décidé de confier l'équipe à M. Bouziane Ben Araïbi. Peu importe le choix, les Rahman Dirou en ce moment, peu importe les choix, Tnoz Hamla va de les choix. Hamla Ta'nes, ils voulaient travailler au club. Hamla, ils ont tous des bonnes idées. Tous des bonnes idées. Mais toutes les idées sont discutables. Toutes les idées. Monsieur Hamdi, quand il a entraîné à l'USMA, c'était son premier poste, si je ne me trompe pas. Il y a des entraîneurs, ils ont entraîné à l'USMA, ils n'ont pas gagné tout de suite. Donc, Wahd, il réfléchit et il n'a pas la mémoire courte. Sauf les jeunes, ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas influencer et manipuler pour après aller insulter et faire des choses qui ne sont pas dans l'intérêt de l'USMA. Nous, on a confiance en M. Ben Araïbi Bouziane. J'ai confiance en lui, personnellement, et on va tout faire pour l'aider, Inch'Allah. La situation, l'atmosphère qui est actuellement autour de l'équipe, qu'il y a 20 matchs de championnat, ou qu'il y a 18 matchs sur les 20. Parce que qu'un vart rire à aller les joueurs. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On n'a pas joué 8 mois. Comme tout le monde, on est en train de construire une équipe. On vous a dit avec une moyenne d'âge de 24 ans, on va apporter des retouches. Donc à un moment donné, il faut être derrière cette équipe. Qui dit que je n'ai pas de l'ahlam. Oui, je n'ai pas de l'ahlam. Je dis que l'année dernière, nous allons gagner tous les matchs. L'année prochaine, nous allons gagner la Ligue des Champions. Je n'ai jamais dit ça, moi. Je vous ai dit, on est en train de construire un club. On est en train de construire un club. Mais Haja aussi, les cheftas, ou l'erreur ta'i, je l'assume, c'est qu'à travers la communication ta'na, qui a été une communication transparente, pour vous tenir au courant, pour donner une image du club positive, ou l'advart à l'équipe. Donc nous, on va prendre les mesures pour protéger un peu plus l'équipe, parce qu'on a pas mal de garçons qui ont 20 ans, 21 ans, qui ne sont pas prêts encore à supporter cette pression.